C'est pour ça que je vois dans mon rapport quatre leviers pour une seule, il n'y a pas de 50 politiques, une politique globale au service d'un objectif unique, la réussite de tous les élèves. On va les passer en revue très, très rapidement. Le premier levier, il est absolument incontournable. Il n'y a pas de pédagogie sans moyens, même si les moyens ne sont pas tout. Il faut donc, compte tenu de ce que l'on sait de l'état de notre système éducatif aujourd'hui, des écarts qui se sont creusés, il faut qu'on accepte collectivement l'idée qu'il va falloir concentrer plus de moyens encore en direction des territoires qui accueillent les populations les plus fragiles. Ça a commencé avec la loi de refondation, mais on sait tous que ça ne suffira pas parce que l'effort devra être déployé sur un grand nombre d'années. On ne part pas de rien, beaucoup de choses ont déjà été faites, notamment pour mieux cibler l'attribution des moyens dont on dispose en direction des territoires les plus en difficulté, donc les moyens selon des critères sociaux. On le fait de mieux en mieux grâce aux études et aux travaux notamment de l'ADEPE. Nous venons de refonder l'éducation prioritaire, 350 millions d'euros supplémentaires. Qui n'est pas sortie de l'imagination ministérielle, cette refondation de l'éducation prioritaire, puisqu'elle s'est appuyée sur les assises qui ont été tenues et qui ont permis de faire un certain nombre de propositions. Mais dans la refondation de l'éducation prioritaire, on en reparlera tout à l'heure, il y a pour la première fois la reconnaissance que exercer le métier d'enseignant dans ces territoires nécessiter une attention particulière à l'image de l'attention que nous portons aux conditions de travail tout à fait particulières des enseignants de classe préparatoire aux grandes écoles. Ça, on le fait depuis longtemps, on n'avait jamais fait cette pondération hein, de l'horaire. Alors c'est un tout début, c'est vraiment, mais au moins c'est quelque chose qui a été amorcé. Le maintien et le renforcement de la priorité de l'école primaire. C'est dans ce sens, c'est pas la peine que je commente cela. Le travail que nous avons effectué sur notre école maternelle, tout ça est en cours, mais on voit bien que c'est compliqué. Et puis, les moyens, c'est aussi au service d'une transformation pédagogique, d'une évolution pédagogique. Donc, l'exemple du plus de maîtres que de classes que nous sommes en train de mettre en place depuis 2012. Et puis, bien entendu, la question des réseaux d'aide aux élèves en difficulté, 5 000 emplois supprimés ces dernières années. Et donc là, il faut effectivement relancer la dynamique et recruter à nouveau les RASED qui ont une utilité absolument essentielle pour les élèves en difficulté. Toujours dans cette idée qu'il faut accroître les moyens et en direction des élèves socialement en grande difficulté, c'est évidemment la question du travail personnel demandé aux élèves. On sait tous ici que le travail personnel après la classe est essentiel. C'est aussi comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas seulement en classe, on apprend aussi après la classe. Et on sait tous aussi que c'est une source majeure d'inégalité. Donc il faut vraiment faire en sorte que dans nos écoles, dans nos collèges, dans les conseils d'école, dans les conseils d'administration, la question des modalités d'accompagnement des élèves pour le travail personnel soit vraiment très bien étudiée et que, notamment quand on a des consignes consistant à demander à l'élève la réalisation d'un exposé seul ou en groupe, il faut au minimum vérifier que ce que l'on demande à l'élève, il peut le faire dans l'établissement, avec les ressources de l'établissement, dans les horaires où il est présent dans l'établissement. Sinon, évidemment, on met les élèves en situation de grande difficulté. Alors, pour accompagner ces élèves au milieu des années 2000, 2008, hein, plus qu'au milieu des années 2000, c'est 2008, on a créé l'accompagnement éducatif, hein, qui est une très bonne mesure. Vous avez vu qu'on enfin, je mets là, on met 303 millions d'euros pour l'accompagnement éducatif. Hein, c'est l'aide aux devoirs après la classe prise en charge par des assistants d'éducation ou par des professeurs. 303 millions d'euros en 2008, et vous voyez que c'est tombé à 270 millions en 2014. C'est-à-dire que ce sont des crédits là, qui sont sous contrainte budgétaire, ceux-là. Et en raison des restrictions, on voit qu'on a du mal à maintenir cet accompagnement éducatif au niveau où il devrait.
Il y a un autre accompagnement éducatif en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est ce qu'on appelle les heures de colle. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, non? Il y en a qui disent non. Donc c'est le soir, deux, trois étudiants de classe préparatoire avec des enseignants qui voilà, les aident à bien comprendre le sens des cours et surtout à préparer les futurs concours. On dépensait 50 millions d'euros en 2002 pour ces heures de colle et on dépense 70 millions d'euros en 2013. Tiens, ça n'a pas baissé. Le nombre d'étudiants en classe préparatoire a augmenté, mais les crédits ont augmenté deux fois plus vite que l'augmentation du nombre d'étudiants. Et puis, il y a une autre façon d'aider les élèves dans l'aide au travail personnel, c'est de payer dans des officines d'aide aux devoirs. Et vous savez que comme c'est une aide à la personne, il y a des exonérations fiscales. Donc nous dépensons collectivement, puisque si c'est une exonération fiscale, ça veut dire que c'est l'ensemble de la collectivité qui participe, à hauteur de 300 millions d'euros par an, à financer donc l'aide aux devoirs privés. Je vous laisse méditer sur ces chiffres. Et moi, j'ai une petite question impertinente. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solidarité à l'envers, à certains moments? Mais je suis mauvais esprit, bien sûr. Dans mon rapport, je parle évidemment, comment en serait-il autrement, de ces enfants allophones ou issus de la communauté des gens du voyage. Et évidemment, il ne faut pas cesser de le dire, c'est une richesse pour tous au sein de l'école, la présence de ces élèves. Mais c'est une richesse qui doit s'accompagner, évidemment, d'une formation professionnelle des personnels. Pas seulement ceux qui les accueillent dans les UP2A, mais aussi pour l'ensemble des personnels. La refondation, 54 000 postes, un certain nombre de mesures, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'en 2017. Je dis dans mon rapport que ça ne suffira pas. Les écarts aujourd'hui de réussite selon les milieux sociaux sont tels que ça ne suffira pas. Il faut donc que l'on cherche d'autres marges de manœuvre, parce que vous connaissez le budget de la nation. Bon, l'éducation nationale, c'est le premier budget, c'est un effort considérable. On a peut-être à réfléchir, nous, en interne, à l'utilisation que nous faisons de ces moyens. Et la première réflexion que nous devons sans doute faire, c'est regarder ce qui se passe du côté du redoublement et la manière dont nous dépensons l'argent pour le redoublement. Nous sommes, parmi tous les pays de l'OCDE, là, dont je vous ai montré tout à l'heure dans le graphique, nous sommes celui qui utilise le plus le redoublement, pour les effets qu'on vient de voir, pour les effets qu'on voit. Donc un effet pédagogique nul. Ça ne veut pas dire que si on supprime le redoublement, les élèves ne seront plus en difficulté. Les élèves sont en difficulté. Sauf que le redoublement, ça n'est pas la formule. Donc l'idée, c'est que si on supprime le redoublement, on va pouvoir libérer des moyens. Et évidemment, ces moyens, il faut immédiatement les réutiliser pour venir en aide aux écoles, collèges et lycées qui accueillent, qui scolarisent des élèves issus des milieux sociaux pauvres. Je dis ça pour que ces économies, évidemment, ne soient pas diffusées, ne soient pas. Il faut les concentrer, ces moyens, dans la direction que je viens de dire. Et puis, on a un autre sujet dans notre pays, c'est la manière dont nous répartissons notre argent entre les différents niveaux d'enseignement. La Cour des comptes vient de publier aujourd'hui un rapport montrant. Alors, moi, pour l'instant, je disais, comme la DEP, comme beaucoup, que nous avions un lycée qui coûte 15 à 20% plus cher que les lycées des autres pays de l'OCDE. La Cour des comptes vient de dire 38%. En tout cas, nous avons un lycée qui coûte très très cher. Très très cher. Mais nous dépensons 15% de moins que tous les autres pour notre école primaire. C'est quand même un vrai sujet, ça. Quand on sait que, évidemment, les difficultés naissent précocement dans la scolarité. Et donc, il faudrait rééquilibrer notre budget en direction de l'école primaire, en direction des collèges, mais aussi en direction des lycées qui accueillent des populations scolaires qui ont plus besoin d'aide que les autres. La Cour des comptes le rappelle aujourd'hui, mais moi je le dis depuis longtemps, nous évaluons en France, le seul pays au monde à faire ça,
au baccalauréat 58 langues vivantes. 20 langues évaluées sont pratiquées par moins de 50 élèves. Ah bon, je vous laisse méditer sur voilà, les priorités qui sont les nôtres aujourd'hui et qui ne sont pas raisonnables compte tenu de la situation de notre système éducatif. Et supposons qu'on arrive à faire ça, qu'on arrive à donc, rester le premier budget de la nation et donc avoir des moyens conséquents donnés par le budget national, que nous arrivions aussi à mieux répartir le budget dont nous disposons en direction des priorités, je dis dans mon rapport qu'il faudra utiliser une partie de ces marges de manœuvre pour, à condition évidemment que ce soit en échange d'une amélioration de l'efficacité du système éducatif, il faudra continuer à baisser les effectifs dans les écoles primaires et les collèges qui sont en REP+. Le deuxième levier, il est là, celui-ci beaucoup plus pédagogique, c'est que le temps de la scolarité obligatoire, c'est le temps du commun. Ça ne veut pas dire le temps de l'uniforme, que tout va se ressembler, mais le temps du commun, c'est-à-dire que dans la sixième puissance économique mondiale, tout de même, qu'on puisse conduire l'ensemble d'une classe d'âge dans une école et dans un collège unique à l'issue de la scolarité obligatoire ne paraît pas complètement impossible. D'autres pays le font. Mais pour faire ce commun, pour cette école inclusive, pour que cette école s'organise, hein, pour le scolariser ensemble, il y a plusieurs conditions. Il y a d'abord la première condition qui est la mixité sociale et scolaire. On ne parviendra pas à réduire ces inégalités si l'école n'est pas aidée dans sa tâche par une plus grande mixité sociale au sein du territoire. C'est illusoire de penser qu'on arrivera à faire des miracles s'il n'y a pas davantage de mixité sociale. Je ne parle même pas de mixité scolaire, de mixité sociale. Et donc, dans mon rapport, j'aborde un certain nombre de pistes sur lesquelles on doit travailler si on veut arriver vers davantage de mixité sociale et scolaire dans notre pays. Il y en a deux dont je peux parler tout de suite, hein, c'est les deux dernières, parce qu'elles me paraissent absolument essentielles dans un pays comme le nôtre. On ne parviendra pas à davantage de mixité sociale et scolaire si on ne garantit pas à tous les citoyens une égale offre de qualité de scolarisation pour leurs enfants. Chacun veut le meilleur pour son enfant, et donc il y a c'est parfaitement légitime. Et puis je vais vous prendre un exemple pour bien me faire comprendre. Qu'est-ce que je peux dire, moi, à des parents, quand dans un collège, sur 5 postes de professeurs de mathématiques, il n'y a aucun titulaire et il y a 5 contractuels? Qu'est-ce que je peux dire aux parents? Donc, offre éducative de qualité, quel que soit l'établissement, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, on ne pourra pas faire de mixité sociale et scolaire s'il n'y a pas ce gros effort pour mieux harmoniser l'offre de scolarité, l'offre de formation. Le deuxième sujet, c'est un sujet qu'il ne faut pas cacher, c'est l'existence de deux possibilités pour les parents, le public et le privé. Ça, c'est constitutionnel. L'enseignement privé, il est là, il sera là. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer que le système public sera un jour en situation de monopole. Non, ça n'a jamais été la conception républicaine française. Le système éducatif n'a jamais été en situation de monopole. Donc, il y a un système privé. La question, c'est comment l'enseignement privé peut apporter sa contribution à l'effort collectif de mixité sociale et scolaire. Et donc, j'ai un certain nombre de propositions dans mon rapport sur ce sujet, sur lesquels on pourra éventuellement débattre dans un instant. Et puis, mais Marie-Hélène vous en parlera également, je vais vite lui laisser la parole. La pédagogie, c'est aussi tout mettre en œuvre pour que dans nos écoles, dans nos collèges, il y ait un fonctionnement pédagogique le plus efficace possible pour la réussite de tous les élèves. Et là, Marie-Hélène, comme moi, nous n'avons strictement rien inventé. C'est encore une fois un hommage rendu à ce qui se fait aujourd'hui dans nos écoles, dans nos collèges, sur certains territoires. On sait ce qu'il faut faire.
La question, c'est comment est-ce que l'on passe de ces expérimentations, de ces actions isolées, à une généralisation sur l'ensemble du territoire de ce qui fonctionne. Et qu'est-ce qui fonctionne? Ben, on n'a rien inventé. Il y a un certain nombre de principes d'organisation qui fonctionnent mieux que d'autres si on veut faire réussir tous les élèves. Il n'y a pas une méthode, hein, qu'on comprenne bien. Il n'y a pas une méthode. Je parle là de principes d'organisation de la scolarité, de valeurs, hein, sur lesquelles on se rassemble dans une école ou dans un établissement pour faire travailler les élèves. Et évidemment, la question des cycles et des transitions entre les niveaux d'enseignement, ce qui se passe dans l'éducation prioritaire depuis des dizaines d'années dans ce pays, est un bel exemple, hein, de travail concerté entre école et collège, et il faut absolument le généraliser. Des pédagogies, des principes pédagogiques, des attitudes basées davantage sur la coopération que sur la compétition. Des principes d'organisation qui font qu'on explique, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la pédagogie explicite, hein, que les élèves sachent en permanence ce qu'ils font, pourquoi ils le font, à quoi ça va servir, et hein, travailler donc sur la compréhension. Quand je dis que nous n'avons rien inventé, j'ai fait aussi appel évidemment aux meilleurs chercheurs de notre pays. Il y a beaucoup de chercheurs qui produisent, hein, résultats de leurs recherches, et donc l'Institut français d'éducation m'a donné un certain nombre de synthèses de recherches montrant ce qui fonctionnait le mieux pour la réussite de tous les élèves. La question d'évaluation, la ministre aujourd'hui a présenté quelques pistes. Si on se satisfait du système tel qu'il existe aujourd'hui, qu'il sélectionne et qu'il trie, le grand écart dont je vous ai parlé il y a un instant ne change en rien. Ça va très bien. Si on veut un système qui encourage, qui motive les élèves et qui ne les humilie pas, mais qui au contraire est un système qui les encourage à progresser, même s'ils rencontrent des difficultés, alors il faut réfléchir à notre système d'évaluation en France. La question des rythmes scolaires, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais rajouter une cinquième matinée de classe dans un pays qui avait maltraité ses enfants en 2008 en concentrant le temps scolaire sur 4 jours, c'est quand même la moindre des choses. Et on voit combien c'est difficile. Un petit peu comme si, dans notre pays, on avait considéré à un moment que le temps scolaire était une gêne et qu'il fallait le concentrer pour faire autre chose. On en parlera peut-être dans le débat tout à l'heure. Évidemment, la question du numérique, qui peut être un puissant vecteur de réduction des inégalités, mais qui peut être aussi un facteur d'aggravation, pardon, des inégalités si on n'y prend pas garde. On pourra en parler. Ouverture artistique, culturelle et scientifique, des décisions d'orientation, et on a vu des choses absolument formidables là-dessus. Et puis, évidemment, ce qui ne vous surprendra pas, c'est l'existence d'un collectif. Là où il y a des équipes, pas forcément d'accord sur tout, hein, mais qui sont globalement en accord sur les principes essentiels, et que ces équipes prennent des initiatives, c'est toujours au bénéfice des élèves. Le troisième levier, c'est évidemment la question de la formation et de la gestion de nos ressources humaines. Et là aussi, il y a beaucoup à faire pour mieux prendre en compte les conditions de travail particulièrement difficiles des personnels qui exercent sur ces territoires, ruraux comme urbains. Je fais des propositions là-dessus. La question de la formation dans les écoles supérieures du professorat d'éducation, j'y reviens dans un instant, et évidemment la demande très forte de formation continue de la part des personnels. S'agissant de la formation dans les écoles supérieures du professorat d'éducation, j'ai utilisé une enquête de l'OCDE qui montre que les enseignants français sont ceux qui s'estiment les moins formés en pédagogie. Ça, c'est intéressant parce que c'est la conception que nous avons depuis très longtemps dans notre pays, c'est qu'on considère qu'en fait, une bonne formation universitaire, une bonne formation scientifique, et il faut une bonne formation universitaire, une bonne formation scientifique disciplinaire, hein, c'est pas, je ne dis pas le contraire, mais on a pendant assez longtemps considéré que ça pouvait suffire. Et donc, nos enseignants savent bien, eux, que ça ne suffit pas. Et donc, ils ont une très forte demande de formation en pédagogie. Et donc, ce qui est encore présent aujourd'hui et que les ESPE essaient le problème que les ESPE essaient de résoudre, c'est faire cesser cette séparation entre formation académique et formation professionnelle. Ça doit être conduit dans le même moment. On a des progrès à effectuer dans un certain nombre de domaines, notamment la relation avec les familles. Formation initiale, formation continue de nos personnels sont
pas suffisante dans ce domaine-là. Je fais une proposition que nos stagiaires de formation aient un tuteur parent d'élève, un référent parent d'élève dans les écoles et les établissements quand ils sont en stage. La question des supports pédagogiques et des manuels scolaires, là j'ai utilisé un chercheur, Stéphane Bonnery de Paris 8, qui montre bien que les outils, les manuels que nous utilisons dans nos écoles peuvent être de nature à accroître les inégalités ou au contraire les réduire. Et puis de façon générale, nous n'utilisons pas suffisamment la recherche en éducation. Et ça, le ministère en a évidemment une très grande responsabilité. Le contre-exemple, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Institut français d'éducation, quand le chercheur Roland Guaou de Clermont-Ferrand a présenté la recherche qu'il conduit depuis 2 ans. Alors là, c'est un contre-exemple parce que c'est le ministère qui a demandé à Roland Guaou hein, et a aidé Roland Guaou à conduire cette formation avec plusieurs dizaines de chercheurs, et il vient de donner des résultats très intéressants sur les pratiques de lecture. On a besoin de ça, on a vraiment besoin de ça. Non pas pour dire qu'il y a une méthode, mais il y a des pratiques qui sont plus efficaces que d'autres. Le quatrième levier, c'est que, bah, évidemment, l'école n'est pas seule. Elle doit travailler en alliance éducative avec les partenaires. J'ai déjà parlé des parents d'élèves. Il y a aussi le milieu associatif et les collectivités territoriales. Et là, si on veut vraiment que l'école travaille mieux encore avec ses partenaires, il faut que nous travaillions, nous, à une meilleure connaissance des différents acteurs de l'acte éducatif. C'est pour ça que on a plusieurs propositions, d'ailleurs, qui sont conjointes avec le Conseil économique, social et environnemental, notamment ce temps de formation quand un personnel arrive dans une école ou dans un établissement avec comme objectif une première connaissance de l'environnement de l'école. Ça paraît tout simple, ça, hein, mais ça ne se fait pas suffisamment. On l'a vu pratiquer, c'est pour ça qu'on en parle. On n'invente rien, on a vu des choses très intéressantes avec des actions de formation d'un jour, 2 jours, où les enseignants ne sont pas dans leur établissement, mais sont dans le quartier, sont dans le village et au contact des associations, des élus, des fédérations de parents d'élèves pour mieux connaître le quartier, le village et ne pas commettre de contresens. Des formations communes, évidemment, entre les personnels de l'éducation nationale et les acteurs animateurs du territoire. Je salue la présence dans la salle de la Fève. On rend hommage avec Mariette à la Fève, hein, ces magnifiques étudiants qui vont dans les familles effectuer ce travail de solidarité et d'appui, notamment au travail personnel. Il faut familiariser aussi nos enseignants avec la vie associative. Et c'est pour ça que je propose que dans le parcours de formation d'un enseignant, il y ait un temps obligatoire d'activité associative, évidemment qui soit valorisé dans son cursus hein, de formation, qui apporte certains, des ECTS. Hein, mais ça paraît absolument nécessaire si on veut que voilà, nos enseignants, qui, il ne faut pas leur en faire reproche, sociologiquement sont assez éloignés des familles en grande difficulté. Et donc, cette activité associative, c'est aussi une façon d'aborder la connaissance des familles et des élèves sous un angle différent. Évidemment, la question de la cohérence de l'activité éducative sur un territoire, on voit bien, on a vu hein, très souvent combien, quand les partenaires sont autour d'une table, définissent des projets communs et se complètent dans leur action sans se marcher sur les pieds, on voit bien comment c'est efficace pour la réussite de tous les élèves. Et donc, c'est tout le travail qui est effectué aujourd'hui, par exemple, avec les projets éducatifs de territoire. Il y a un sujet dans le sujet, c'est l'école et les parents pauvres. Les parents en situation de grande pauvreté, des rapports difficiles, il faut le dire. On le dit, nous, en appui de ce que la députée Valérie Corre a dit elle-même l'année dernière dans un rapport parlementaire sur l'école et les parents. Elle n'a pas été gentille avec nous, hein, elle a été plutôt sévère, mais à juste titre, parce qu'on a des difficultés dans notre système éducatif à bien travailler avec les parents d'élèves. Et à l'intérieur des parents d'élèves, les parents les plus éloignés de l'école qui sont donc en situation de pauvreté. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est de formidables avancées. Beaucoup, un fourmillement d'initiatives, grâce aux enseignants, grâce aux personnels sociaux de santé, grâce à tous ceux qui, aujourd'hui, sont persuadés que si on ne rétablit pas un minimum de confiance avec tous les parents, on ne pourra pas faire progresser leurs enfants, dans une démarche donc de co-éducation. Et donc,
Parmi les quelques dizaines de préconisations que je fais, je parle des espaces parents, vous savez que c'est quelque chose qui est maintenant dans les textes, hein, qui est officiel. Il doit y avoir dans les établissements scolaires un espace pour les parents. Alors on voit le meilleur, mais on voit le pire aussi. Hein. Donc ces espaces parents, il ne s'agit pas simplement d'avoir une salle. Un jour, je pose la question dans un établissement que je ne citerai pas, évidemment. Je demande au chef d'établissement où se trouve l'espace parent. Mais oui, bien sûr, on en a. Attendez, je prends la clé. Et donc, c'est une salle qui était au deuxième étage, mais qui était fermée à clé. Donc, ça s'appelait espace parent. Donc, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on peut travailler de façon satisfaisante. Ces espaces, il faut les animer. Et c'est une proposition que je fais dans mon rapport. Un exemple de partenariat entre l'État et les collectivités territoriales qui montre bien que cette alliance éducative-là est très très profitable aux élèves, c'est évidemment la question de l'internat. On n'a pas le temps, mais on pourra répondre aux questions tout à l'heure. Un exemple de partenariat entre l'État, les collectivités territoriales et les associations, c'est l'accompagnement à la scolarité. On a vu aussi des choses formidables de ce point de vue. Et puis, sans doute, l'outil qui résume le mieux la nécessité de ce partenariat et ses bienfaits quand il est bien organisé, sont les programmes de réussite éducative, hein, qui vraiment sont à la fois des lieux et des moments où, autour d'une table, on complète les différentes expériences, les différentes expertises au service des élèves. Donc, en gros, on sait à peu près comment il faudrait faire dans ce pays pour réduire les écarts. Le mot le plus important, sans doute, et le mot que j'ai mis en sous-titre de mon rapport, c'est la question de la solidarité. Parce que, bien entendu, tous les enfants pauvres ne sont pas en échec scolaire, heureusement, mais ce que l'on sait, c'est que ceux qui sont en échec aujourd'hui seront les exclus de demain. Ça, on le sait. Ce que l'on sait aussi, c'est que les familles pauvres, pour peu qu'on veuille un peu les écouter, ne veulent surtout pas une école à part. Mais veulent que leurs enfants soient traités de la même manière que les autres. D'une certaine manière, une école qui soit pensée pour leurs enfants aussi. Et pas seulement comme le collège unique de 75, qui n'a pas été pensé pour tous les enfants, mais qui a été pensé essentiellement pour les collégiens qui se destinent au lycée général. Mais le plus difficile dans cette affaire, c'est que les dysfonctionnements de notre système éducatif, et j'ai essayé d'en montrer quelques-uns, ils ne nuisent pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il nous appartient de faire en sorte que ceux dont les enfants réussissent bien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui éprouvent le besoin, aient envie que l'école se transforme. Et ces parents-là, il faut les rassurer en leur disant que faire réussir tous les enfants, mieux réussir tous les enfants, ne nuira à personne. J'insiste lourdement là-dessus parce que chaque fois, vous l'avez remarqué, que l'on veut faire évoluer notre système éducatif pour élargir la base de l'élite, la base sociale de l'élite, on est immédiatement accusé de niveler par le bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va niveler par le bas. On est le seul pays à considérer ça. Vous avez vu que tout à l'heure, dans le nuage de pays que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des pays qui ont compris depuis très longtemps que faire réussir davantage de jeunes ne nuisait en rien à la qualité de l'enseignement et à cette élite dont nous avons besoin, simplement une élite, ça doit aussi s'élargir socialement. Donc il faut qu'on soit volontariste et qu'on ose être inégalitaire en moyenne, si on veut être égalitaire en réussite, ce n'est pas toujours le choix que notre pays a fait. Et c'est pourquoi j'insiste lourdement sur la solidarité dont nous devons faire preuve si on veut vraiment une école inclusive et une école pour la réussite de tous les élèves. Vous savez, et puis je passe tout de suite la parole à Mariette, cet échec scolaire massif des enfants de milieu populaire, c'est un drame pour eux-mêmes d'abord, pour ces enfants, ces familles. Je n'ai pas la peine d'insister là-dessus. D'abord, un drame personnel. C'est ensuite un drame pour notre République. Parce que on se paye de mots si on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, des valeurs de la République, en laissant sur le bord du chemin une partie non négligeable de la population. Nous sommes assis, vous et moi, sur une bombe sociale.
On parle des 140 000 jeunes qui sortent chaque année sans formation, mais année après année, ça commence à former quand même une partie de la population qui a beaucoup de difficultés à se considérer comme partie prenante du pacte républicain. Et puis troisièmement, c'est aussi un problème bassement matériel pour notre économie. Les inégalités sociales, tous les économistes le disent, ça freine la croissance. Autrement dit, notre idéal d'une école plus juste, ça rejoint l'intérêt bien compris de notre pays. Donc on n'a finalement pas vraiment le choix.